Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Oxygen Not Included avec une future salle à Dreco. Mais aujourd'hui, on va s'occuper d'autre chose. On va faire des petites manœuvres de fusée. Je vais charger. J'ai oublié de charger. Non, pas du tout, c'est bon, c'est bien là. Alors, donc on va rajouter le Trailblazer module, je sais comment il marche maintenant, j'ai fait mon petit test. Il est cher à construire parce qu'il coûte 200 métaux raffinés, mais je crois que pour construire l'intérieur, il faudra 400 de plus. Alors, c'est pas un hasard, parce que je pense que l'idée ensuite, c'est de démonter sur la planète, et donc de récupérer des ressources, pour faire la plateforme, par exemple. Et vous devez... Vous pouvez en tout cas indiquer plusieurs passagers, plusieurs pilotes. Par exemple, moi je vais noter Otto comme pilote. Et ils iront en même temps. Vous pouvez noter autant de pilotes que vous voulez. Ils n'ont pas besoin d'avoir le talent. Simplement, celui qui a du talent fera accélérer le trajet. Voilà, on va aller voir l'intérieur. On va leur demander de nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont abîmés. On va leur dire de dormir ici, en attendant. Et on va aussi travailler là. Merci de m'aider faire. Alors, pas tout à fait tout ça. Pas tout à fait tout ça. Parce que la conduite de gaz, on va pas la démolir. Voilà. On va aussi démolir. Alors non, ça faut pas détruire ça. On n'a pas besoin de détruire l'électricité qui est là. On peut la laisser. Ah, attendez, partez pas parce que je vais quand même avoir besoin de vous là rapidement. C'est quoi ça? C'est de la roche sédimentaire. Voilà, pour faire ça. Petit peu d'oxygène qui part à la poubelle. Très bien. Ici, on va aussi augmenter notre capacité de stockage de gaz parce que j'ai presque un doute sur le fait que soit la fusée, elle redonne autant de gaz au démarrage, elle recrache autant de gaz que ce qu'elle a en fait dans sa réserve, qu'elle propulse tout son gaz dehors et puis basta, ou presque, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a beaucoup trop de gaz. Je sais pas d'où vient tout ce gaz, sûrement pas d'en bas. Vous allez me faire tout ça rapidement, s'il vous plaît. Ici, on va remettre, parce que ça, c'était un petit test. La bonne plante. Ici, vous allez me faire ça, le Trailblazer. En urgence. Là aussi, vous êtes censé travailler en urgence. Vous foutez rien. Hein. Tout cet oxygène que je fous dehors. Eh ben, tu continues à me le faire vite. Merci. Ça y est, vous m'avez changé ma plante en bas. Tout à fait. Des grapefruits. Voilà. Ça, c'est bon, c'est fait. On reviendra dessus plus tard. Peut-être dans le prochain épisode. Eh bien, écoutez, on est prêt à partir. Il n'y a rien à faire avec ça pour l'instant. On s'en occupe quand on est en orbite, en fait. Donc, voilà. Et on va aller sur Team Béroni préparer l'arrivée.
Voilà. Il va travailler bien comme il faut. Nous, ici, je crois qu'on est prêt à lancer. Destination n'est pas sélectionnée. Voilà, on attend notre équipage. Les voilà, ils arrivent tous les deux. Et là, la fusée est prête à partir. On va maintenant, ici, accélérer un peu pour le remplissage de tout ça. Par contre, il y a des gens qui ont faim, donc non, on va pas accélérer le remplissage de tout ça. On va les laisser travailler. Un rythme normal. Qui a faim? Garasserie. Garasserie, il faut aussi que tu penses à te reposer. Voilà. Et nous, on va sur Team Béroni. Voilà. On va aller voir notre fusée. Elle est en chemin. Ici, il n'y a plus d'urgence. Ça a été fait, c'est bien. On va mettre une deuxième vague de panneaux solaires ici. Mais pour pouvoir le faire, on va devoir verrouiller ici. Et on va devoir aussi venir démonter ici. Voilà, là on sera bien. Alors, Team Béroni, venez, la carte stellaire, est-ce qu'on est arrivé? Eh bien, nous y voici. On va maintenant pouvoir choisir l'un des deux duplicants, auto, et le déployer ici. Voilà, on va maintenant démolir ça, faire construire ça. Et démolir ces deux choses-là. Quand il dort, il commence par dormir. Est-ce vraiment, vraiment la priorité? Je ne sais point. Il faut voir. En tout cas, les trois trucs à faire, c'est ça. Il y en a un dont le robot peut s'occuper. Et le robot peut aussi amener les ressources là. D'un seul coup, tu te dis que tu manques un peu d'oxygène. Tant mieux. Là, ça apporte ce qu'il faut pour l'or. Lui, il se recouche. Il est un peu fatigué. Il va faire la porte. Alors, ici, on a beaucoup, 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 beaucoup de travail à faire. On va commencer par ça, mais c'est pas fini. Après, il y aura ça. Puis ensuite, ça. Puis ensuite, probablement. Ça. Puis ça. Ou pas. Non, en fait, on va pas faire ça. Là. On va faire ça. Et puis là. Juste comme ça. Là, tout ça, c'est de la priorité 1. N'est-ce pas? Voilà. Ici, c'est pareil. Non, c'est de la priorité 1. Voilà. Toi, tu fais ta porte déjà pour que l'oxygène reste du bon côté. Puis la plateforme d'atterrissage, ça me paraît pas mal. Comment ça se passe ici? Vous m'avez détruit ça, vous m'avez pas scellé ça. Ça serait bien de venir me le sceller. Très bien. Là, si vous pouviez avancer un peu. Bon, j'imagine que vous êtes en train de bosser dessus.
va aller ici. T'étais reparti respirer un petit coup, mais je peux te comprendre. Comment ça se passe dans la navette? J'imagine que ça pédale. Tout à fait. En fait, lui, il est juste... je crois qu'il consomme quand même... J'ai fait un peu des bêtises. Parce que je l'ai laissé allumer en le vidant, mais en l'allumant. Donc du coup, ben, il consomme. Ça devrait être moins problématique maintenant, l'énergie. Quand tu le sens, tu continues à la construire. Très bien, maintenant on va aller sur la carte stellaire pour dire à Venessat d'atterrir. C'est fait. Très bien, on va maintenant demander la destruction de ça. Voilà, hop, on va maintenant changer l'équipage pour dire que Otto doit être dedans. Et on passe en mode crew, donc normalement tu rentres dedans. Ah, il va falloir me nettoyer tout ça par contre, hein. Ah, par contre, là, je comprends pas. On est en mode départ. Pourquoi Otto, il y va pas? Est-ce qu'on n'a pas sélectionné la destination? Mais il fait quoi, là, Otto? Otto, pourquoi tu n'y vas pas? Non, là, il y a un problème. Otto ne veut pas aller dedans. On va voir ce qui se passe, pourquoi il ne veut pas aller dedans. Donc, on va le sélectionner. On va sélectionner la fusée, on va lui demander de venir dedans. Inaccessible. Donc, c'est une erreur. On va enlever Otto de l'équipage. Et la fusée doit être prête à décoller. Tu vas avoir mal là, si tu restes là Otto. Tu vas avoir un petit coup de chaleur. Merci. Et maintenant, on va lui demander de revenir ici. Je pense que c'est un petit bug. Maintenant, on va mettre Otto dans le crew. Et il y va. Ouais, petit bug. Changement de destination, on retourne là-bas. Et c'est parti. Ok. On retourne à la maison. Notre pas de tir est prêt. On est opérationnel. Si on amène du verre, on pourra même faire des panneaux solaires. Mais on va peut-être trouver du verre ici. Peut-être. Peut-être, peut-être. Sinon, il faudra en fabriquer. En tout cas, pour l'instant, on va s'occuper d'autre chose. On va attendre leur retour. Voilà, le dioxyde de carbone commence à bien se remplir. Au moins, il ne sera pas gâché. Ça va, vous bossez bien? Il va falloir faire la descente ici. Au cas où ça vous intéresse. Oh,
Alors, je la fais étriquer volontairement. Voilà, tiens, on va faire ça. Là, on va faire ça. Ici, on va faire ça. Ça serait peut-être pas une bonne idée, ça. Dans un premier temps. Dans un premier temps, ça serait pas une bonne idée. Voilà, on va plutôt faire comme ça. Pour pas perdre le chlore qui est là. Tout ça n'a aucun lieu d'être aussi énervé. Allez-y, Milo. Est-ce que vous avez reçu notre fusée? Tout à fait. Eh ben, on va rajouter un module maintenant. On va rajouter un rover. Voilà. Quant à l'équipage, c'est Garawan, mais il n'y aura pas auto. On va aller regarder à l'intérieur, il y aura probablement des petits trucs à nettoyer. Non, tout est propre. Sauf là, peut-être que c'est un tout petit peu sale ici. Le rover module, on va l'augmenter. Vous faites quoi là? Tu prends du cobalt, très bien. Bon bah on est bien. On va voir s'il y a des gens à soigner. Peut-être Otto. Non, tout le monde a l'air en forme. C'est où cette alerte jaune? Ah bah, c'est ça. Tu recommences avec ton alerte jaune parce que je veux construire le roverbot. Merci. Toujours les mêmes, hein. Alors, est-ce qu'il est construit? Non, il n'est pas construit. Donc cette salle-là, c'est une salle à Draco pour faire les fiber read. Parce que j'en ai pas sinon. La particularité, c'est que je veux pas qu'ils fassent du plastique, je veux qu'ils fassent du fiber reed. Donc on va pas leur donner à manger du millwood. Le millwood, on n'en a pas, mais il y en a sur l'autre planète, hein, qu'on vient d'arriver, où on vient d'arriver. On en a déjà trouvé. Vu. Je vous le montre, parce que vous l'avez peut-être pas vu. Juste de mémoire ici, voilà. Déjà, on a de l'arbre à poux ici. On en a peut-être même ailleurs. Alors pour l'instant, il a enlevé les oxyfernes, hein, ce qui est très mal. Mais on peut considérer que ce petit pipe là, ici, va pas tolérer ça très longtemps. Et normalement, il devrait revenir les planter ici ou quelque part par là. Je vais lui faire des surfaces pour planter, justement, où il sera confortable du coup. Là, c'est le boulot du robot, hein. Il fait ses trucs, dans l'ordre qu'il veut, peu importe. Alerte jaune, c'est mon rover. Visiblement, il n'a pas encore été construit. Si, il a été construit, il a été construit. Donc, en fait, on pourrait partir. La destination, c'est l'orbite ici. Il me semble qu'on est prêt à partir, tout à fait. Notre équipage arrive. Recherche terminée, ils sont contents. Bon, en tout cas, on a récupéré le dioxyde de carbone qu'est là en grande partie. C'est pas mal. Pourquoi Garawan ne vient pas? Peut-être que Garawan est là, non?
Birawan n'est pas là. Garawan a autre chose à faire dans sa vie que de venir ici. Garawan fait de la recherche. Ah là, il va falloir améliorer ça. Parce que de mémoire, ça va pas marcher ce que j'ai fait. Mais voilà, il tombe pas. Mais on peut le changer. Alors, on va commencer par faire un petit interrupteur ici. Si, il faut démolir aussi le câble d'automatisme qui est ici. Tout à fait. Lui aussi. Auto. On va faire ça. Ça, on va le démolir aussi. T'es dedans là? T'es prêt à te lancer? Non, Garawan il vient pas. C'est la nouvelle mode. Bah, roquetterie, Garawan, voilà. Du coup. Et ici, on va faire un petit cap comme ça. Une petite porte-note. Ouais, j'aurais pu économiser un câble. Donc je vais le faire. Ici. Pardon, je me suis encore trompé. Porte-note. Voilà. Et pour finir, la porte pneumatique. Voilà. Quand tout ça sera fait et que ce monsieur aura grandi, on pourra l'envoyer en bas. Alors, il est dans sa fusée, lui, j'imagine, depuis le temps. Non! T'es sérieux? Mais il fait quoi? Donc voilà, ici. Quand il aura grandi, on aura juste à faire ça, et hop, ça va le coincer, ça va le faire tomber. Je crois, hein, parce que là, j'ai mis un sas comme ça, j'ai pas mis un sas mécanique. Du coup, j'ai un doute. Alors, on va le changer aussi. Là, pour le coup, lui, il va tomber, ça c'est sûr. Ouais, on s'en doutait un petit peu. Garawan. Mais il y a un souci avec ce Garawan, qu'est-ce qu'il fait? Arrête-toi! Bah! Quel est le souci? Garawan, explique-toi. On le rappelle. Et ça, fallait le rappeler. Fallait... d'accord. Bon. C'est encore des tout petits bugs. Hein. Lunch. C'est parti. Reste pas là, reste pas là, reste pas là, toi.
Très bien, tout va bien pour le moment. Est-ce que tu es là? Parfait, tu vas pouvoir me déployer le rover ici. Merci. Et ben maintenant, tu vas pouvoir venir ici. Merci. Alors le rover, tu vas le démolir, s'il te plaît. Ainsi que tout ça. Ici, s'il vous plaît, il faut venir me construire le rover. Garawan, tu peux sortir. Merci. Les nouveaux imprimables sont disponibles. Choisir un plan. Tiens, bah du cuivre, je refuse pas. Alors comment ça se passe sur Team Béroni? Bah voilà, t'as tout compris. Il a commencé à planter lui? Ou c'était déjà là ça? Il a planté. Il va faire des tas de plantations. Très bien. Le module n'a pas encore été fait. On a en attente de sa fabrication. Par contre, ce monsieur travaille très bien. Garawan, tu peux venir s'il te plaît. Merci. C'est reparti. Destination. Là-bas. T'es parti. Mon avis. Voilà. Encore un tout petit bug. Voilà. J'imagine qu'il est en train d'arriver. Merci. On retourne sur la carte stellaire. Et on retourne sur place. Voilà. Tu peux sortir. Vous me construisez un rover, s'il vous plaît. Vous me démolissez ça, s'il vous plaît. Team Byronnie. Ah, parfait. Sur Team Byronnie, ici, je voudrais que tu me fasses ça. Et ici, tu me fasses ça. Est-ce que tu ne saurais pas, par hasard, j'ai l'impression que tu ne sais pas nettoyer. Qu'est-ce que vous êtes con comme ça? À quel moment ça vous a pris? Ok. Ça, c'est pas construit. Voilà. Hop. Par contre, là, effectivement, on va avoir un souci. Donc, je pense que comme ça va passer. Il m'a l'air fait, hein, le rover. Il m'a l'air fait, c'est parti. Allons voir à Team Béroni comment ça se passe. Ouais, t'as pas l'air de vouloir éponger trop, hein. L'arbre à poux, on va annuler l'arrachage. Après tout, s'il a envie d'être là, il peut être là.
sais pas si ça va suffire pour contenir toute cette eau, ça. Là, c'est sûr, ici. Alors, Mélanie, ici. Destination pas sélectionnée, c'est vrai, j'avoue. Lunch. Et ben, nous y voilà déjà. Déploy un rover module. On remonte moins ça. Et donc, tu peux rentrer à la maison. On va en mettre que 3. Ça va nous suffire pour le moment. Voilà. On va détruire le rover module. Parce que c'est plutôt des ressources qu'on va devoir amener la prochaine fois. Mais on va se servir de la navette pour aller explorer maintenant. Allez, tu peux sortir. Voilà. La navette va récupérer. Ouais, ils ont du boulot là. Et là, on a 3 petits robots qui bossent. Ou pas. Si, ça dépend de leur humeur. Ça dépend de leur humeur, mais en tout cas, ça avance bien. Hein. Il n'y a pas de raison qu'ils aillent travailler qu'ailleurs. Alors évidemment, ils sont pas non plus immortels. Hein. Leur énergie finira par s'épuiser. Lui, par exemple, n'a plus que 30 kilojoules. Il a bientôt fini de bosser. Voilà. Je pense qu'on pourrait creuser celui-là aussi. Ça me fait un peu peur quand même. Ça me fait un petit peu peur de creuser celui-là. On va voir comment on s'en sort. Au pire, on pourra mettre une pompe là pour venir remplir ici. Et puis creuser ici un peu plus. On a quand même des choses qui sentent pas bon là. Mais on a un oxyferne. Oh, on a des roseaux. Regardez, j'ai juste à venir les récolter. Et je pourrais faire mes combinaisons. Du coup, la question qui se pose... Oh, un satellite écrasé. Nouvelle entrée dans le journal. Joli gâteau, je parie que ça n'a pas été simple de convaincre tout le monde de l'acheter. Joshua, tu sais, si tu étais plus sympa avec les gens, peut-être qu'ils voudraient passer plus de temps avec toi. S'il te plaît, ce qui compte chez les amis, c'est la qualité, pas la quantité. Waouh, est-ce que c'était un compliment détourné que je viens d'entendre? Quoi, Burk, arrête ça. Oh, ne t'inquiète pas, je dirai à personne, je n'aime pas vraiment les ragots. Le gâteau au bureau. Ouais. Était-ce bien nécessaire? Pour une fois que je les lis. Donc on pourrait descendre chercher ça et aller faire nos combinaisons avec ça sans s'embêter avec notre ferme Adrico. Mais on va quand même faire la ferme Adrico parce que c'est rigolo. Et ben ça sera demain. Là on est pas mal mais notre petit robot il arrive au bout. Hein. Voilà l'eau batterie, il arrive clairement au bout. Ici, si on veut que ça plante des trucs, il va falloir creuser un petit peu plus haut. Oui, enfin pas là non plus. Ça marchera pas, il pourra pas y accéder. Et puis, bah, faut compter sur notre pipe pour aller replanter les graines, de toute façon. Il va le faire, hein. Dès qu'il s'ennuiera, il ira prendre des graines de ce qu'il fait, il va planter ça là. L'idée, c'est de... Parce qu'ici, ça m'embêtait. Je préfère avoir l'oxygène qui soit produit plus dans cette zone-là. Plus vers le bas aussi. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.